L'école est finie, mais l'été sera quand même studieux pour 250 000 enfants choisis pour participer aux colonies de vacances apprenantes. Dans ce centre de loisirs, on apprend mais en s'amusant. Ce jour-là, c'est atelier d'astronomie. Vas-y encore un peu. 3, 2, 1, c'est ça. Ils font des fusées à eau. Comme ça, ça ne présente aucun danger pour eux, ni pour l'entourage. Et ça leur permet de comprendre le fonctionnement des grosses fusées qu'ils ne peuvent pas construire, bien évidemment. Pour Noélie, 9 ans, l'activité a même suscité une vocation. Bah, du coup, on a testé les fusées et c'est trop bien. Moi, je veux être astronome quand je serai grande. Et donc, c'est bien d'apprendre des choses comme ça. Au programme du reste de la semaine, des cours de sport, de culture ou encore de robotique. C'est vraiment de l'apprentissage sur, en fonction d'une spécialité choisie et d'un loisir choisi, comment continuer l'apprentissage, même si ce n'est pas des maths du français, mais que c'est autre chose en complémentarité de l'école. Un dispositif financé par l'État qui permet aussi d'offrir des vacances à des enfants issus de familles populaires, monoparentales ou de soignants. Chaque été, un enfant sur quatre ne part pas en vacances.